Un, Bon. deux, trois. Est-ce que c'est bon? Ça marche? Ouais. Ok, Oui. Ça c'est marche bon. tellement qu'en fait tu contrôles mon Spotify maintenant. Ah! Parfait. Alors du Ah coup, oui, quand même. Oula, oula. on a tac, tac, ça, je vous l'enlève celui-là du coup. Hop là. Nous sommes donc prêts à lancer ce petit scénario. OMG. Vous reprenez rapidement vos esprits et vous regardez autour de vous. Vous semblez être dans une sorte de salle qui a l'air un petit peu abandonnée, qui commence un petit peu à se délabrer. Et puis, tout d'un coup, ça vous frappe. Qui êtes-vous? Vous ne vous Ah, souvenez de rien. d'accord. Vous ne vous souvenez pas de votre prénom. Vous ne vous souvenez pas de qu'est-ce que vous faites là. Vous vous souvenez vaguement que vous étiez venu, que vous étiez venu, enfin, que vous avez été appelé par les gens de Lockvarn pour aller retrouver quelqu'un. Il semblerait, vous savez plus trop. Mais en tout cas, vous vous rappelez plus votre prénom, vous vous rappelez plus donc de votre métier, de ce que vous faites. De qui vous êtes. Et puis surtout, vous voyez rapidement, hein, vous êtes deux dans cette salle-là. Vous savez que vous vous connaissez, mais pareil, impossible de vous souvenir du prénom de votre compagnon, de votre coéquipier. Bah déjà, est-ce qu'on sait que c'est notre coéquipier, tu vois? Mais ouais, comment on sait que... Vous avez cette sensation tous les deux que vous vous connaissez Ouais. et que vous êtes ensemble. Ok. Voilà. Mais Ok. et puis bon, il n'y a pas de situation. Alors vous entendez que ça se bat. Ça se bat vers là où vous êtes. Alors il n'y a personne dans la pièce là actuellement, mais ça se bat pas très loin. Mais vous, bon, vous avez vos armes, mais vous n'êtes pas en train de vous battre tous les deux, quoi. L'un contre l'autre, j'ai envie de dire ça. Donc Ok. voilà. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez vous dire avant de... Bah juste déjà, nous on est comme... Oh putain, j'ai une pub Spotify, ça casse mon RP. Ah! Ouais. Bon, c'est pas grave. Et Ah c'est oui, du alors que coup... le dragon débarqua. Et bienvenue chez Non Olivier mais Carglass. en fait ça qui est con, c'est qu'en fait du coup, pendant que vous avez la musique, moi j'ai la pub. Bon bref. Sinon, ouais, bah ouais, du coup... Ah c'est pas grave, je jouerai un peu de retard sur les musiques. Ouais, c'est chiant. Mais du coup juste, madame la me-jeu, Bonjour. en fait là on est comment? Est-ce qu'on est au sol? Est-ce qu'on a l'air un peu fatigué? À vous, vous êtes alors vous n'êtes pas au sol, mais par contre, vous remarquez que vous avez du sang sur vos lames. Ah ouais. Est-ce que je regarde du coup le personnage de Kalios, est-ce que je l'ai touché, un truc comme ça? Est-ce que c'est mon sang vient de moi Impossible de dire. Vous semblez pas encore blessé, vous avez pas de grosses blessures, quelques égratignures. Voilà, mais. Et toi là, le gredin? Qu'est-ce qu'on fout Moi? là? Moi? Oui, ben tu vois quelqu'un d'autre dans cette pièce? Bon, pourquoi on a du sang là comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Incroyable. Et Non, puis, c'est quoi ces tombeaux à côté? écoute, N'est pas cet endroit. écoute, écoute. Oui. Écoute. Apparemment, quand même, là j'entends des bruits de lames, tu vois, donc peut-être pas tout le temps du monde quand même. Ouais, mais c'est compliqué parce que. Je sais pas quoi répondre en fait, c'est ça le truc, parce qu'on connaît pas le truc donc. Bon, d'accord, je vois Moi, que toi aussi t'as perdu la mémoire, non, apparemment. écoute, moi je te conseille, est-ce que tu es blessé? Est-ce que tu as mal quelque part? T'as vu mes muscles? Tu crois que j'ai l'air blessé? Bon. Oh putain, oh putain. Oui, bon, oui, j'ai un peu de temps, mais comme Je toi veux d'ailleurs, j'ai changer de perso, l'impression. au secours! Mais. Je sais pas, ça sent la poussière quand même ici. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on fait là. Bah y a pas de fenêtre, donc oui, c'est normal que ça sent la poussière. Réfléchis un peu. Ah, je sens que vous allez vous adorer. Bon, je vois que nous n'obtiendrons pas de réponse déjà de toi et en plus de l'endroit où on est. Je propose quand même qu'on sorte. Tu n'entendrais pas, par exemple, des choses dehors?
Bah si, justement, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de sortir. Ah oui, donc je vois que je vois que je suis avec quelqu'un de peureux, je vois. Bon. Est-ce que question, est-ce qu'on a nos armes, etc. à côté? Vous avez vos armes, hein? Ok. Est-ce que dans la pièce, est-ce qu'il y a des choses vraiment notables en fait? Quand même, en fait, là, mon perso, elle est dépoussolée. Bon, et elle voit clairement que l'autre n'a aucune réponse. Donc, elle essaie vraiment de voir s'il n'y a pas des trucs qui peuvent lui faire savoir où elle est, quoi. Ok. Tu te rappelles absolument de rien. Ouais. Tu te rappelles de rien. Alors là, du coup, je vous ai mis sur la carte. Hein. Vous sembliez, en fait, par contre, un petit peu caché. Vous avez eu une sorte de pylône. Hop. Et vous sembliez, en fait, vous étiez tous les deux cachés derrière des pylônes, quoi. Comme si vous étiez planqués, en fait. Donc après, sinon rien de particulier. Vous aviez entendu, en effet, des gens se battre, visiblement, à d'autres endroits. Et Mais question, sinon, rien. est-ce qu'on semblait protéger ces tombeaux ou pas du tout? Ou est-ce qu'on n'a pas du tout la même connaissance si on est censé protéger ça ou pas? Non, ça te. Pff, ouais, tu sais pas ce que tu fais là. T'avais pas l'air proche des tombeaux, hein. T'es pas particulièrement proche des tombeaux. Oui, juste caché, mais ok. Ouais, c'est ça. Moi, question, est-ce qu'on a vraiment des ossements sur le sol, etc. et tout ou pas? Non. Non, non, Ok, non. ok. Non, ça, après, en effet, tu fais bien de demander. Ça, par contre, après, c'est des cartes que je trouve sur Internet Ouais. et En malheureusement, fait, c'est c'est pas. juste le Ah oui, c'est texture. ça. Mais bon, écoute, si toi tu veux pas sortir, moi je vois pas pourquoi je ne le ferais pas. D'ailleurs, c'est quoi ton nom en fait? Non, mais pas Non, que Sia non non plus, je sais mais pas. non mais attends. Tu sais que quand on naît, on a un prénom quand même. Oui, mais oui, mais oui, merci, merci. Je oui, mais oui, je oui, mais non. Et toi, et toi, du coup, au lieu d'ouvrir ta grande bouche là? Bon, moi ce que je propose c'est qu'on aille dehors en Ah, fait. oui, c'est ça, réponds pas, bien sûr, ben oui. Allez. Bon, si je peux me permettre, par contre, si je peux me permettre, c'est moi qui ai le bouclier, c'est moi qui passe devant. Oh, oui. Ah, attends, parce qu'en fait, toi, t'es. Attends, juste, Tokusha, c'est à gauche ou à droite? Non, je suis à droite. Oui, bah, Bah, ah oui, mais les alors, personnages, oui, ça que ton met. perso Oui, bah, ressemble. disons que là, sur son perso, il a pas de bouclier, sur son token. Oui, bah, excusez-moi, j'ai cherché ce que j'ai pu, hein, voilà. Bon, Tu te rappelles, excusez-moi, mais. on est d'accord que Aïe. les tokens c'est des PNJ, enfin c'est des PNJ. C'est des images. Non, vous pouvez les bouger? Non mais en fait il parle Oh. qu'en fait c'est Merde. des images mais en fait que t'as importé quoi. Oui voilà. Oui, bien sûr, non, Ah c'est pas moi qui bah. les ai faits. Et en fait, si vous voulez, j'ai plus fait en fonction. Attendez, juste, je déplace. Merde. Ah je suis plus là, Tu as été téléporté. Y'a que tout gars, quoi. Hop. Non, mais je disais, en fait, j'ai plus fait, si vous voulez, j'ai essayé plus de trouver des trucs en fonction de la ressemblance, déjà un peu physique, des Oui. armes et tout, que. Donc là, il faut plus se dire que Tokusha a un bouclier et une lame, mais que moi j'ai un Exactement. bâton, juste une épée et une main, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Exactement. Ouais. Toi, clairement, j'ai pris ton perso parce que, comme sur l'image, c'était une meuf en armure avec des cheveux roux, quoi. Donc, Oui, ok. voilà. Non, mais c'est ouais, comme ça, on n'a plus la confusion. Ok. Oui. Oui, non, mais vous faites bien de me dire. Hein. De toute façon, c'est la première fois que je faisais un truc autant pousser un petit peu sur Roll20, donc j'ai Non, déjà pris un mais. bon Voilà. fou à le faire. Ah, Donc, comme a non, dit mais Kalios. Hein. frérot, mais déjà, c'est génial pour une première, on va dire, expérience. Ah, oui, Ok. c'est comme a dit Kalios, dans un an, on sera déjà à l'opéra, là, on fera le JDR Oui, non, devant mais 4000 en personnes. fait, c'est bon, gentil. no joke, je le dis en live et tout, mais je cherche qui pour son temps d'expérience, enfin, pour son temps de jeu, a une expérience de fou. C'est gentil, merci beaucoup. C'est incroyable. Bon, C'est et puis là, le gentil. gredin, bon, si tu es. Ok, d'accord, donc. Est-ce que tu le laisses passer devant, du coup? De toute façon, ce peureux ne fera pas grand-chose. Allez, vas-y. Tu Oui, je parles vais à être qui? insupportable. Excuse-moi, tu entends des voix maintenant? Oui, j'entends des voix et c'est dehors et ça se bat. Oh putain. Oui, je Bon, vais ok être alors. insupportable. Hein. Alors, bouclier en J'ai avant. décidé que mon perso était insupportable. Attends, j'ai décidé que ton perso était incarable, Oui, non, mais elle a perdu la mémoire, mais pour contre, elle a pas perdu son. Ouais, non, et ça, par contre. Bah, du coup, bouclier en avant et je vais direction de la porte, du coup. J'espère que tu me Je suis quand suis. même. Oui, ben non, oui, je vais pas rester dans le tombeau du coup. Ah, c'est du passe pion par pion, c'est mort. Vous pouvez vous déplacer aussi, hein. Moi je prends, voilà, mais. Ok.
Donc qui passe en premier. Ah, bah, Mister Tokusha en premier, hein, parce que bon, je l'appelle Tokusha parce qu'il a pas encore de nom ce blaireau. Mais, d'accord, je vous mets là. Je dis ça alors que mon perso non plus. Hein. Ok. Vous vous apprêtez donc à quitter la salle quand soudain un personnage apparaît. C'est le vieux. Hop là. Ah. Il semble, il est en armure et puis il rentre comme ça en trombe en se mettant évidemment en bloquant le passage et puis il s'apprête à lever son épée sur vous. Moi, je vais dire allié ou ennemi. Donc, du coup, s'il lève son épée, j'ai ennemi. Juste une grande question, je suis Arki, j'ai une question très importante pour notre lore. Mm-hmm. Parce que nous, on est amnésique de notre propre personne. Mais est-ce qu'on est amnésique du monde et des gens? Est-ce que par exemple, lui, on sait reconnaître de quelle faction il est? Ouais, par rapport à son armure. Alors, là, comme ça, vous êtes conscient que vous êtes. En Tricazel, vous vous rappelez, je vous ai dit vaguement que vous êtes censé porter secours au village de Lokvarn, mais après, là, alors en faction, là comme ça, il y a rien qui vous vient. Il y a rien qui vous vient. Ok, bon bah, ok, ça, merci. Bien. En tout cas, enfin. Y'a rien qui vous vient, je dis ça parce que le personnage n'a pas l'air d'avoir. Dans le feu de l'action, hein, on est bien dans le feu de l'action, vous imaginez quelqu'un qui arrive comme ça, vous avez pas spécialement le temps de vous dire alors, est-ce qu'il a. Moi, attaque, premier truc voilà. Que je fais, c'est que je lève le bouclier pour me défendre. Hein. Ok. On va rentrer donc dans un système de combat. Très chiant. Pour le mieux combat, c'est parti. Sachant que ce qu'on va faire pour éviter que je galère à vous appeler, et pour éviter ainsi que je vous appelle Kelios ou Tokusha parce que ça nique un peu le RP, oui, bien sûr. Je vous propose de vous donner des petits surnoms. La roue ou non. Parce qu'il faut bien vous aussi que vous vous appelez entre vous. Bah, Kelios m'appelle le gredin, moi je vais appeler la fille. Hein. Ah oui, bah moi j'ai un peu d'originalité, bon toi c'est juste mon sexe quoi. Bah je vais pas dire de la rousse hein. Bah pourquoi pas. Mais la rousse. La rousse, ok. Ça marche. Alors, question, la map, on est vraiment sur un escalier là? Oui. D'accord. Vraiment, donc j'avais. Attends, mais là c'est vraiment un ossement dans la. Bah ouais, c'est moi, vraiment. Okay. Je pense que je pose la question. Je suis... Attends, mais ça c'est vraiment. Je pense en vrai, pour passer le Sharky, disons que tout ce qu'il y a sur la map c'est vrai quoi. Enfin oui, sauf là. Oui, mais par exemple, si là il y a une hauteur quoi, bah on est en hauteur. Quoi. Ok, ok, oui. Ok. Oui, oui, oui. Vous allez lancer un des 10. J'ai l'initiative, c'est ça? Oui. 8. Je vais en lancer un également. Ah, ça lance pas sur la map comme avant? Si, tu dois avoir ça dans les paramètres. Oui, est-ce qu'on a pas le truc à gauche, tu sais, où t'as... À gauche, je sais que dans un autre jeu de rôle, en fait, j'ai une pop-up qui s'affiche et t'as les tours des gens. Oui, alors moi j'avais ça. Et je sais pas pourquoi, ça a disparu. Ah. Donc, voilà. Hop. Donc, okay, ah voilà, c'est. Alors, votre score de rapidité. En rapidité. Speed. Le plus important, est-ce qu'il y a une porte? Oui. Est-ce qu'il y a du thé? Il y en a une. Ah ouais, parce que Kylo, c'était pas là. Vous avez fait. Okay. Donc, mais pendant la partie de Cthulhu, il y avait Sharky qui disait il y a l'encadrement d'une porte, et moi j'avais pas compris c'était l'encadrement. Donc, du coup, il y a une porte qui est ouverte. Non, il n'y a pas de porte. Et tu disais qu'il y a un encadrement. Oui, il y a un encadrement. Donc, du coup, il y a une porte. Non, il n'y a pas de porte. Oui, mais. J'ai l'impression que toi et les emplacements de décor, c'est quelque chose. Non, ah, oui, c'est les petits c'est détails. C'est clair, est-ce que là il y a une colonne en fait, les gars? Donc, j'ai défini le score d'initiative. Larousse jouera en première, le suivi du gredin, suivi du combattant. Sachant que par contre, du coup, vu que pour le premier tour, ça va être différent parce que on a déjà le combattant qui est en train de lever son épée, donc forcément il va taper. On a le gredin qui est en train qui par réflexe se protège, et donc forcément Larousse, tu ne peux pas jouer là comme ça de suite. Donc pour le premier tour.
on va faire du coup à l'inverse. Donc, ah les combattants... putain. Question. Attaque. Est-ce qu'on a un système de déplacement? Enfin, un DLC, un sort de PM. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. En fait, il va falloir définir des attitudes de combat. Les attitudes de combat. Tac, tac, tac. Je vais vous envoyer ça via Discord si vous voulez les avoir. Vous allez définir une attitude pour le tour. Vous avez évidemment, donc, si vous regardez votre fiche de personnage, hop, vous avez donc dans les attitudes, vous avez l'attitude standard, offensive, défensive, le statut, donc vitesse, initiative, et le statut de mouvement. L'attitude standard, évidemment, vous allez avoir donc avec vos valeurs de base, vous êtes autant sur l'attaque que sur la défense. L'offensive, vous allez maximiser votre attaque, mais évidemment votre défense va se réduire. Ah oui, je l'ai vu. Si vous êtes en défensive, vous avez du coup avoir moins d'attaque, mais plus de défense. Si vous voulez... alors, l'attitude d'initiative, c'est si jamais vous voulez vraiment attaquer en premier, vous faites cette initiative-là, vous aurez l'initiative, mais vous avez vu, vous perdez en défense. Mais est-ce que les PNJ peuvent aussi avoir des attitudes ou pas ? Oui, tout à fait, les PNJ choisissent leur attitude également. Là, par exemple, j'ai ce combattant-là est en attitude offensive. Ok, et est-ce qu'on le sait à l'avance leur attitude, ou est-ce que... Parce que par exemple, le truc, c'est que, par exemple, imaginons, toi, tu prends... Enfin, imaginons, Tokusha, là, prend un truc d'initiative pour jouer en premier. Si, en fait, on le savait pas, mais le mec a aussi un truc d'initiative, bah, il est... Ouais. Alors, moi, honnêtement, je l'ai fait... Alors, en fait, je vous le dis là, je l'ai fait la plupart du temps jouer en standard. Tout simplement parce que si je dois... Parce qu'en fait, moi, dans mes fiches de perso, j'ai les attaques, défense, tout ça, de standard. Si je veux changer d'initiative, il faut que je me retrouve à calculer. Oui, donc c'est chiant. Ouais. Donc là, je capte que c'est environ. Alors, je peux faire éventuellement standard, offensif, défensif, parce que c'est plus 3 moins 3, si vous voulez. Je crois, il y a un truc comme ça. Donc voilà, limite, je peux faire ça, mais vous voyez, jamais je vous dirai, ah ben, il prend l'initiative. Hein. Non, je vais pas vous faire chier avec ça. Donc voilà, et donc je vais vous envoyer, si jamais vous avez besoin, les attitudes. Tac, tac. Je vous envoie également le système de combat, ça c'est gratuit. On a les attitudes, on les a sur nos fiches de perso. Oui, bien sûr, oui, mais c'est le... Comment vous expliquer ce que c'est exactement, genre qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Ah, oui. Si vous avez besoin, hein, je vous envoie ça, c'est vraiment du bonus. Et hein, question, Sharky. Est-ce qu'on a tous nos équipements, ou est-ce qu'on les a sur nous ou pas? Ça, j'ai oublié de le demander. Oui, parce qu'en fait, t'as dit que je passais mon tour, mais je peux théoriquement prendre mon grappin et le lancer à la gueule, quoi. Oui, enfin, je suis devant toi, quand même. Oui. Ah, ça, je sais viser. Tu sais pas. Hein. Disons que j'ai fait ce choix parce que faut vraiment vous imaginer que le mec rentre dans la pièce, c'est instant, il tire son épée, quoi. Je tire son épée, il va vous attaquer. Donc tu vois, toi, tu peux pas forcément lancer ton grappin. Autant je peux accepter le fait que donc le gredin prenne son bouclier, se défende. Ah oui, non, mais t'inquiète, voilà. J'ai dit ça en mode full. Ouais, non, mais je. Ah, je comptais vraiment pas. t'aurais pu. Donc du coup, on va lancer tac. Parce que alors, en plus, je vous dis pas pour résoudre le système d'attaque et tout, c'est un gros bordel. Alors, il fait un 8. Alors. Non, alors. Ah, attendez, et du coup, en parlant, on doit pas définir nos attitudes? Oui, allez-y, donnez-les-moi si vous voulez. Ah bah moi, je suis offensif. Hein. moi, défense. Ok. Ok. Donc là, hop, ok, ça marche. Alors, lui. Il va lancer, donc il a lancé un dé pour savoir si ça touche. Il vise évidemment donc le gredin. Tu as combien en défense? Tu as 15. Tu as 15 en défense? C'est ça? Attaque 6, 15, défense, c'est ça? Ouais, je crois. Attends, je regarde dans ta fiche de perso parce que je vois pas le... Attitude? Non, ouais. Ah oui, oui, c'est ça, exactement. Oui, merci. Toi, en fait. Merci, oui, c'est ça, tu as bien 15. Hop, donc ça c'est bon. Donc ça va toucher quand même. Alors, pour.
Alors, parce que, alors, faut quand même que je vous dise, juste, juste pour vous expliquer à chaque fois comment mon cerveau bouillonne. Pour savoir le dégât, je dois faire le score de la touche, plus l'arme du mec. Le résultat, ensuite, donc, j'ai un résultat, que j'enlève ensuite la défense du mec qui est touché et de sa protection. Ah oui, défense. Chaque fois, je suis en mode, je prends ma vie. Ouais, donc du coup, il faut que tu calcules ma défensive qui est à 15, plus ma base, plus mon armure. Ouais. Oh. Mais ça, on peut pas faire. Hein, au lieu de chercher un calcul, on peut pas faire. On sait pas de base, c'est genre. Non, bah non, parce qu'à chaque fois, du coup, ça se calcule. Voilà quoi. Mais on est d'accord. Là, par exemple, je suis à 23, moins la défense, donc on est à 15, et je crois que t'as un score de protection. Mais là, c'est pour calculer la touche. Les dégâts, combien de dégâts il va avoir. Ah, c'est les dégâts, c'est pas pour calculer la touche plus les dégâts. Non. Ok, ok. En protection, il est à 4. Donc ça va être moins 23, moins 19. Oh, tout coup, Jacques, il va prendre 7 de dégâts, il va tomber. Premier tour, ça y est, il rentre dans la folie. Hop là. Tu prends 4 points de dégâts. Oui. À toi. Bon, toi, du coup, tu t'es défendu. Ah, il s'est quand même défendu, le boug, hein. Il a pris 4 points de dégâts. Oui. Oh, c'est c'est Skyrim giga hardcore là. C'est... Faudrait... genre, vraiment, tu sors du donjon d'Elem, tu te fais fraguer par un loup. Ouais, c'est chaud, hein. Ok, ok. Stylé, stylé. De toute façon, t'es vraiment un poltron en fait. Et tout ça. Il faudra bien reculer, ces intintarés. En tout cas, tu t'es défendu. Alors, je crois pas que tu puisses faire autre. Je crois que t'as quand même une action. Attends, laisse-moi regarder. Normalement, je vous ai envoyé du coup. Techniquement, vu que j'ai pas contré, mais. Ouais, c'est ça en fait que je veux regarder. Ah, évidemment, je t'ai pas envoyé le. Pourquoi j'ai pas la défensive? Putain, je vous ai pas envoyé le truc défensif. Je sens qu'on va devoir quand même bien appréhender le système de combat. Oui. Ah, c'est terrible, hein, le système. C'est pour ça que je vous l'envoie, parce que comme ça, vous pouvez aussi vous l'approprier, quoi. C'est pas juste moi qui vous dis des trucs. Hop. Tac. Oh, mais en fait, est-ce que t'as un moyen de pas prendre de dégâts, du coup? Oui. Ne pas se battre. Non, mais comment, du coup, théoriquement? Bah, si tu maximises. Ta défense, ton équipement, et si le mec ne te touche pas. Putain. Ah oui, donc il y a quand même un jet de toucher. Oui, ah oui, tout à fait, ah là oui. Il a touché. Hein. Ah, parce que toi t'as fait 8 et Tokusha fait 7. Non, là c'était pour l'initiative. Le toucher, c'est l'attaque du mec. Okay. 1 des 10. Donc j'ai fait 8, en attaque il est à 12, pour tout vous dire, donc je suis avant. Ok, et Tokusha n'a pas fait assez pour esquiver. C'est ça, Tokusha lui il a 15 en défense, donc ben. Oui, ok, oui, donc non, il y a bien un truc de CA où en fait tu dois faire le toucher puis les dégâts. Oui, 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 c'est ça. C'est ok, ça. Oui, non, oui. C'est ça. Non, là je suis en système de combat. Là. Et attitude de défense, alors attends. PG se concentre sur sa défense, essaie d'éviter ou de parer les goûts, le potentiel. Ouais. Il y a marqué attaque rapide en dessous, donc du coup c'est considéré comme un tour. Du coup, c'est un Kalios. Ça c'est si tu choisis. D'avoir l'attitude d'attaque rapide. D'accord. Donc du coup, pour moi, tu vois, t'as encaissé le coup, quoi, entre guillemets, tu vois. Donc vous voyez, c'est là où c'est un peu flou. C'est, là, coup, je l'ai. Bien. Est-ce que du coup, je te laisserai attaquer derrière si t'as envie, tu vois? Non, regarde, parce qu'on a marqué détermination de l'ordre d'action. Donc du coup, c'est le mec qui a attaqué. Donc après c'est à moi qui me suis défendu, donc du coup après c'est à Kalios, donc du coup autant partir tu là-dessus. Penses, tu le vois comme ça toi? Moi je le vois comme ça parce qu'après il y a marqué annonce des attitudes, donc du coup j'ai annoncé que j'étais défensif, Kalios a annoncé qu'il était sur l'attaque, donc du coup comme c'est son tour. Mais comme le mec il a attaqué, tu vois, c'est résolution de l'action, il a attaqué, j'ai défendu, calcul des dommages, les dommages ont été calculés, du coup c'est à Kalios. Ouais d'accord. Autant partir toi, tu joues quoi? Ah non mais j'ai défendu moi, c'est à toi d'agir maintenant. Ah oui, en gros oui, ton action c'était de se défendre. Ouais, voilà. Mais question dans le même jeu, est-ce que du coup les attitudes c'est quelque chose que tu redéfinis chaque tour? Chaque tour, ouais. Ok, donc oui, mais en fait vraiment c'est ton action en fait. Ah, c'est vraiment chaque tour, je pensais à chaque combat moi. Non. Ah oui, concrètement en fait l'attitude c'est ton action en fait. Oh le MJ qui doit avoir un BAP à Harvard. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis c'est très dur. Ouais, je comprends en fait, maintenant je comprends la difficulté pour calculer. Okay. Ah oui, mais d'accord, ok. Oh la pub. Bon, bref. Ah mais là j'ai une pub pour Zalando quoi frère. Je vais te poutrer et je vais te prendre ces chaussures à 45,95€. Mais ok, donc à toi Larousse, donc tu es en offensive.
Bah, la rousse, quand même, même si je pense que du coup il y a le gredin ici, je pense que voyant qu'il encaisse le coup et qu'il est un peu déstabilisé, je vais m'élancer vers le mec, me faufiler entre le gredin. Parce que bon, je pense que comme il a été un peu déstabilisé, peut-être parti un peu sur le côté, tu vois, quand même. Ouais, tu vas avancer pour essayer d'aller taper. Ah oui, non, mais clairement, là en fait, je fais une charge, quoi. Concrètement, je fais une charge. Ok. Je vais. Ce mec est cinglé, il va falloir y poster. Lancer le dé, hop. À moins, mais attends, tu sais. Merde, attends, parce que j'ai fait sur ta fiche. Si tu veux le lancer toi-même. Oui, bah oui. Tu vois le. Non, mais ça va. Kalios, il a l'idée dans les mains depuis tout à l'heure. Bah oui, non, mais tu vois, parce qu'en fait, t'as plusieurs dés, en fait, c'est assez. Ah oui. Tu vois dans les attitudes. Ouais. Et t'as. En fait, faut vraiment que tu cliques sur celui, genre le dé qui est à côté de offensive. Enfin, non, pas, okay. justement pas à côté, parce que là, du coup, ça va définir ton initiative. À côté de attaque, c'est ça? À côté de attaque, c'est ça. Donc, maintenant, il se passe 19. Quoi? Donc là, tu le touches. Oh. Ah, ok, donc là, ça lance le dé. Je lance pas dé, c'est. Ça lance le dé, quoi. Bah là, t'as appuyé sur le dé, donc là, tu vois, t'as fait 19. Ah oui, donc là ça lance, ok. Voilà. Ah, tu pensais toi le lancer? Ouais, je pensais qu'en gros j'allais lancer et j'allais additionner cette valeur à un truc. Ah. Non, mais là du coup ça le fait pour toi en fait. Ok, je le vois, ok. Là non, ça l'a fait pour toi directement. Okay. Non, mais c'est pas mal. Voilà. Donc du coup, tu vois, donc là t'as fait 19, donc tu le touches également. Donc là du coup, il faut que je calcule. Donc ton score de touche qui est 19, tu attaques avec quoi? Ton épée ou ton karat? Karat? C'est comme ça que c'est ton bâton, ouais. Dans tous les cas, ça change pas grand chose, mais c'est pour toi. Ah quoi. Oui, Karat, bâton de voyage, que j'ai lu comme bâton de voyage. En vrai, non, je l'attaque au bâton, c'est stylé quoi. Ok. Alors, en fait, j'essaye, si tu veux, avec mon bâton, de lui mettre une grosse tatane au niveau du visage, pour limite, si j'arrive à le toucher, le rendre inconscient. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'un mec qui me tire dessus, qu'avec une mitraillette, toi, tu vas lui lancer des fleurs. Hein. Mec, tu l'attaques avec un bâton, il m'a attaqué avec une épée, je suis en train de saigner mes morts là. Non mais en fait Tokusha c'est un bâton qui fait 2 de dégâts autant que voilà. Le bâton fait Et puis en fait c'est en fait non mais Tokusha c'est un bâton mais il faut pas calculer le bâton, faut calculer la personne qui utilise le bâton. Oh putain. Voilà. Et autant moi je suis une experte du bâton. Ouais, excuse-nous Rafiki. Mais, sachant que là je propose, mais vu que vous n'avez pas de souvenir, vous pouvez aussi, alors bon là c'est pas le moment, mais tu vois, admettons, tu te demandes mais qu'est-ce que je fous avec un bâton, c'est quoi ce bâton, tu peux très bien, tu vois, te demander à essayer de te souvenir, à essayer de voir si tu vois un petit jet, je sais pas, on peut faire un jet en connaissance, ouais, justement, tout ça, pour voir si... J'arrive pas à te rappeler de qu'est-ce que ça pourrait être. Voilà. Non, mais justement, le fait que le corps réagisse, comment agir, peut-être que justement ça joue là-dessus aussi. C'est-à-dire bah, peut-être qu'on se souvient pas qui on est, mais comment on réagit, par exemple, Kilos, il attaque le bâton en mode YATA! Et en mode, bah, pourquoi t'as fait ça? En mode, je sais pas, c'est comme si je réagissais tout seul. Ah oui, bah oui, c'est. Enfin, vous savez manier une épée ou votre bâton. Hein. Est-ce que ça, le bâton sûr. Est assez lourd? Non, on va pas partir là-dessus. Bon, allez, go taper. Donc, tu as tapé, tu lui as fait 11 points de dégâts. Oh putain, la vache. Et bah, là, s'il est pas mort, hein. Non, mais c'est un moine. Il est encore debout. Il a le double de nos PV à nous deux, quoi. On est vraiment des merdes. Hein. On est amnésique et on est nul. mais juste, du coup, en fait, là, du coup, par rapport au placement, est-ce que du coup, je suis toujours derrière ou. Non, du coup, on peut carrément s'enlever. C'est ça, tu peux te mettre ouais là après oui. Ouais. En fait disons que oui, je me dis avec mon bâton peut-être de là, ça peut être pas trop mal. Ouais. Très bien. On vient donc de faire l'action, tu vas pouvoir enchaîner avec une action. Quelle est ton attitude de combat? Moi? Non, la rousse. Ah, c'est obligé hein. Je suis en quick. J'enchaîne. Putain, moi je pense aux autres, je défends et tout, et l'autre non, je peux attaquer. Non mais en plus j'ai vraiment la musique de The Witcher en mode là, je suis obligé. Yeah, yeah. Bon, en quelle attitude du coup? Offensive, défensive, standard? Quick. Je lui marave sa queue. Oui, non, c'est grave. En fait, on est d'accord, madame le joueuse, en fait, quick c'est pour essayer de réattaquer le plus vite possible. Oui. Ok. Okay. Exactement. Bon, potentiellement, est-ce que par exemple, là, dans le système de jeu, en fait, ça va définir ce que je fais. Est-ce que, par exemple, donc là, j'étais en offensif, j'ai tapé. Et est-ce que si je fais quick, est-ce que j'ai une chance de quand même, hop, recommencer direct le tour? Non. Non, mais. Ah oui!
Ah oui, donc, en fait... Non, mais tu recommences dans tous les cas. C'est juste qu'en fait, là, par exemple, tu vois, si tu regardes ta fiche de perso, tu t'es mis en quick. Donc, ta défense, par contre, baisse de fou, tu vois. Oui, non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, du coup, le truc, c'est qu'en fait, là, se mettre en quick, ça a pas de sens. Parce que dans tous les cas, il va agir en premier, le mec en face. Oui. Non. Oui, donc en fait, ça sert à rien. Non, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'au niveau de l'initiative, tu es la première à jouer. Mais tu viens de me dire que je vais pas rejouer, si ? Mais si, non, justement, non. Je viens de te dire, ça va être à toi de rejouer. Ah oui, parce que sur l'initiative, tu es la première à jouer. Ah oui, donc je peux enchaîner mes attaques, incroyable. Bah, là, en fait, c'était comment c'était fait. Tu étais derrière, donc je t'ai fait jouer en dernier. Oui. Et là, on commence un tour normal. Un tour comme ça a été défini, donc avec l'initiative. Donc t'es la première, ensuite c'est le gredin, et ensuite c'est le combattant. OMG, oh, je l'enchaîne. Donc du coup, c'est pour ça que je te demande en quelle attitude tu veux être, standard, offensif ou défensif. Mais juste question. Quick ou mouvement. Oui. En fait, quick, question. Est-ce que dans tous les cas, même si j'ai pas choisi quick, est-ce que j'aurais rejoué? Bah là, dans ce cas précis, oui, puisque tu as l'initiative. Parce que oui, ok. Mais en fait, par exemple, dans un autre cas, en fait, si j'avais pris quick, ça m'aurait potentiellement permis de rejouer, c'est ça? Exactement. Si t'avais été dernier à jouer, t'aurais pu faire quick, tu joues en premier. Je reprends offensif alors, du coup, parce qu'en fait, moi, dans l'idée, c'est qu'en fait, du coup, j'étais dernière de base, tu vois. Non. Ok, là, je prends offensif et je remets une deuxième patate. Exactement. Ok. Et toi, donc, le gredin, tu mets en quoi? Ah, je me mets en offensif aussi. Hein. En offensif, ouais. Ok. Alors, le mouda. Hein. Et s'il te plaît, tu lui fais un peu plus mal parce que ton bâton. Il fait 11 de dégâts quand même. Hein, ouais. Ok. Tac. C'est parti, je te laisse me refaire à lancer le dé. Ok. À 15, ok. Moins bien. Hop là. Alors. Mais bon, en vrai, je comprends pas en fait le. Je pose beaucoup de questions, mais c'est vraiment pour comprendre le gameplay. Ah mais en fait, ce que tu vois là, j'ai fait 15. Et en gros, je comprends pas en fait le. Ah, en fait, en gros, ça se met en vert. En gros, à chaque fois que t'atteins un palier, ça se met en vert, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le degré de difficulté. Ah. Oui, mais là, on n'est plus du tout sur un degré de difficulté. Moi, là, ça sera pour d'autres situations. Ah oui, je te dis n'importe quoi. Tu me dis, je veux faire un panier en osier avec les branches de roseau que je viens d'avoir. Je vais me dire dans ma tête. On s'en fout en fait là. Là, en soi, on s'en fout. C'est plus pour une action autre. Oui, tout à fait. Moi pour moi, ce que je voyais en fait, c'était vraiment le barème pour la magie justement et non pas pour les attaques. Ah oui, non, mais ça on s'en fout. Justement, là il vous met ça à chaque fois parce qu'en fait, ça correspond si je t'avais demandé un G. En craft, tu vois, t'aurais réussi une action pour compliquée. Oui, pour savoir à quel niveau t'as réussi. Exactement. À faire ton objet. Voilà, c'est... moi ça m'aide en fait à savoir, tu vois, je sais directement, boum, je sais quel palier. Et puis nous, en tant que RP, ça peut nous aider en mode, ah tiens, là j'ai réussi à faire un truc de fou, quoi. Oui, voilà. Oui. Ça peut nous permettre de mieux décrire le panier en osier, en type héroïque. mais en fait, tu vois, typiquement, c'est comme, imaginons, genre t'as une brèche, tu sautes. Si t'arrives juste standard, bah juste tu sautes. Et si tu fais super humain, bah là t'es là, tu fais une cabriole, tu fais un 360. Oui. Alors, dépend. Par exemple, moi, voilà, on reprend ton exemple, tu dois passer un trou, enfin tu dois sauter, t'es sur, voilà, t'as une faille, tu dois sauter au-dessus. Moi, je dis que le degré de difficulté, elle est compliquée. Ok. C'est compliqué. Ah oui, ok. T'es en train de courir, je sais pas, t'es en armure lourde, voilà, c'est compliqué. Oui, bien sûr. En effet, après, c'est là où t'as raison. Si tu me fais, je sais pas, un 25 sur ton dé, en effet, tu vois, tu vas être exceptionnel. Donc là, je vais modifier. Je vais dire, ah bah là, tu as une agilité. Je pourrais un peu. Là, tu voles, tu vois. Voilà, je pourrais un peu pimper ma description, quoi. Exactement. Par contre, en effet, si tu me fais un 8, je vais dire, bon bah, tu te gamales la tronche et tu tombes dans le trou comme une merde, tu vois. Voilà. Ok, non, mais je vois, ok, mais rien à voir avec le combat. Ok, bah, du coup, rien à voir avec le combat. 15, madame le jeu. Oui. Tu lui mets 7 de dégâts. Tu lui assènes un coup d'épée, il recule sous l'effet du coup, il titube, il a du sang qui coule, tu lui as commencé à faire une sérieuse blessure, mais il reste encore debout, il va donner ses derniers mots. Attends, quand même. En vrai, une fois que je lui donne le coup, je lui dis... j'essaie de lui parler quand même, parce que bon, ça a l'air d'être un humain, donc je pense qu'il a une bouche. Et je dis, mais t'es qui toi? Pourquoi tu nous attaques? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir de la... Comment dire? Il va te regarder, tu vois de la... Tu vois que dans ses yeux, c'est... Il y a de la fureur, mais... Ouais.
c'est pas... Il y a quelque chose, il y a comme une sorte de brume dans ses yeux, c'est... Oh. C'est bizarre. Ok, il est cursed. Okay. C'est bizarre. Ok, ok.